Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo sur Arma 3, très heureux de vous retrouver. Pour vous informer, je suis entre temps, donc entre la dernière vidéo et celle-ci, passé lieutenant de la police, au même titre que l'élève lieutenant et maintenant le lieutenant McTavish. Et voili voilou. Alors, on a recruté de nouveaux ADS. Que voici, que voilà. Donc, je crois qu'il y a 4 nouveaux ADS. ADS Batskin, ADS Prescott, ADS Duval et ADS Sanchez. Comme ça, on a 2 Sanchez dans la police. Je crois que c'est ça. On va demander. Il y a bien eu 4 ADS recrutés. Ou 5. Ok, 4. Très bien. Donc voilà, 4 ADS recrutés donc au dernier, à la dernière session de recrutement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on prend une patrouille Oscar à 4. Avec tout ce beau monde, et on va sortir un Renault Master balisage pour un bon gros véhicule d'Oscar. Comme ça, on va prendre Oscar. Ça va être bien sympa. Alors, du coup, je vais prendre mon service. Prise de service du lieutenant Lorque en attente d'affectation. Bonjour, lieutenant Lorque, vous allez monter un Oscar. Très bien, c'est reçu. Du coup, let's go, je sors le véhicule. Il n'y a pas un véhicule en excès de vitesse. C'est lui ? Ah putain. Trop tard, on pourra pas. Ouais. Moi. Hop. Alors, du coup, mesdames et messieurs, que je vous montre 2-3 petites choses. Le fait que je sois lieutenant. Hop, donc. Qu'est-ce que vous faites à courir dans le véhicule, Tatsuya ? Alors ça, j'ai de la peine à me poser la question. Donc oui, du coup, le fait que je sois lieutenant, en gros, ça m'ajoute des nouveaux véhicules et ça aussi confirme les compétences d'officiers qui sont requises, donc ça me fait très plaisir et je suis très content d'avoir acquis ces compétences. Comment? Bah, fais donc. Hop, voilà. Distribution. Oui, je teste la tenue blanche, en fait, la nuit. Bien stylé. Parce que, à savoir que le gilet, bah moi je préfère en noir, mais le gilet jaune, je crois, ne marche pas. Est-ce que vous le voyez, mon gilet jaune là? Oui, affirmatif. Ok, la dernière fois ça marchait pas, je me suis fait écraser par une voiture, donc. Tant vous dire que je l'ai un peu en travers de la gorge. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la MX, la lampe que j'avais, et on a le petit Mossberg, petit fusil à pompe, que l'on va équiper dès maintenant. Donc, on va mettre directement dans le véhicule. Boum. Voilà. Du coup, messieurs, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes prêts, vous avez tout, masque lacrymo. Bonjour. Tout est bon. Bonjour, prêt. Très bien, donc 2 petites secondes, je vous laisse monter dans le véhicule. Ce qu'on va faire. Qui veut prendre la radio? Je veux bien prendre la 112. Hein. Voilà. 112, et vous, Batskin? Vous voulez prendre la radio? Si je la prends pas, ça me dérange pas. Ok, bah vous allez prendre la 80. Parfait. Voilà. J'ai mis les 2 ADS en radio. Donc on va voir ce que ça donne, puis sinon on changera quoi. Ok. Ok, donc ouais. Hop, puisque du coup, voilà, petite formation des ADS. Alors franchement, ils ont eu une formation plus complète que le dernier recrutement que je vous avais montré sur Altis, qui était un petit peu, comment dire, léger quoi. Il y avait pas, c'était pas hyper approfondi. Mais là, ils sont un peu plus formés, donc ça devrait être good à ce niveau-là. Mais bon. Merde. Faut quand même les entraîner. Hop, c'est parti. Du coup, nous que je regarde, on va prendre notre service. On est bien 4 en Oscar. On a à disposition patrouille Alpha, patrouille Bravo, patrouille Bac, patrouille ERI. Voilà. Donc ERI mené par le brigadier Lefebvre. À savoir aussi que j'ai un nouveau véhicule Audi RS7. Donc je vous montre pas. Bon, si, allez, je vous la montre. Voilà. Audi RS7, donc qu'on testera dans les futures vidéos. Voilà, vous l'avez vu très rapidement. Bien joli. C'est bon, en route mauvaise troupe. En route. Vous voulez conduire Tatsuya ou... Ouais, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Allez les enfants, embarquez. Ouais, hop. On va coller une vacances. Fermez la porte, nickel. Du coup, on a dit Duval 112, Batskin 80. Affirmatif. Ok, parfait. C'est parti. Alors, on va où? Vous volez, hein? Ok, quoi. On fait comme du CRS, non? On peut faire un coup de. On a à savoir qu'on a les. Vitesse, non?
Un contrôle vitesse, non mais n'importe quoi. Non, on va laisser Eri faire son contrôle vitesse, on va aller sur la Trinité, la Trinité ou Pesagne. Pesagne, il n'y a pas grand monde, on peut aller faire un coup de Pesagne. Sur les balises GPS, pas trop de peuple. Je vous ai donné les clés. Affirmatif. Ok, bah c'est parti. Transmettez, est-ce qu'il y a un bac? Est-ce que possible d'avoir une unité entre le commissariat et l'hospitalos pour une interpellation en cas où? Ok, c'est bien pris. C'est au nord. C'est pour nous. Hospital de Harry. Ah, c'est pour nous. Transmettez. Pour vous signaler la mise en place d'un contrôle radar à l'ouest de l'acheteur de pétrole, vous êtes passé un point GPS. Il aime bien ce mettre là. Le faire. Ok, ouais. C'est reçu. Là, on va sur la Trinité, on attend... Là, on reste dans le coin parce qu'il y a Bac qui a demandé une patrouille entre Los Polos et le commissariat au cas où. Donc on va rester dans le coin. Là. Faut juste prendre notre service, s'il vous plaît, adjoint Batskin. Ok, c'est Renault Master, police 2. Renault Master 2, police 2. Ok. Prise de patrouille d'Oscar en Renault Master, police 2, 4 effectifs à bord. Est-ce qu'on recharge des véhicules ou autre? Je pas de recherche de véhicule pour le moment. Ok. Pour le Duster, du coup, c'était tant pis. Hein. Mais bon. Mais d'un autre côté, j'ai pas compris comment ils l'ont flashé, patrouille back, parce qu'ils étaient pas dans les parages. Oui, ils sont sur un caillou, puis ils flashent avec les jumelles. Mais c'est back qui patrouille? Enfin, qui flash? Ouais. Mais ils sont. Jumelles, ils regardent Los Polos. Ah, ils sont au niveau de la banque. Ah, oui, c'est eux. Ouais. Ok. Bah on va rester dans le coin ouais, s'il y a besoin de tuer le officier. Ok. Attends mais est-ce qu'on les voit d'ici la petite patrouille back? Est-ce que... Attends, arrête-toi deux secondes, je vais essayer de les voir aux jumelles. C'est de... Ah si, aussi on les voit. Oh là là. Oscar, le back. C'est incroyable. Si c'est où la patrouille, il faudra intercepter un T5 noir. Allez, en route. Ok, affirmatif, quelle direction s'il vous plaît? Et sur le bord de la plage, je prends direction Los Polios avec les phares éteints en eau froide. Bah, on va pas attendre qu'il ramasse? Ouais. Parti vers le phare actuellement. Parti vers le phare. Ok. Peter, pour Bac, est-ce que vous l'avez vu agir, ramasser quelque chose ou négatif? Oui, mais on vous demande une interdiction, c'est pas pour rien, Oscar. Ok, c'est bien pris. Sur la route entre le phare et l'Olis. Ah ouais, ok. Ok, c'est bien pris. Gauche toute, prends reste sur la route, hein, Tatsuya. Ouh, ok, vous me guidez parce que moi je ne sais pas si. Vas-y, vas-y, tu suis. Vas-y. Vite. Je suis vite. Bon, on va arriver, il va chier dans ses culottes. Il va sortir le caca, moi je reste à distance. Hein. Regardez à droite. Oscar de Bac. Transmettez. Mon information, il s'est arrêté près du phare. Hein. Ouais, ouais, à droite, droite, tout. Ok, c'est bien pris. Tatsuya. Ah non, il repart, Oscar. Ok, on a visuel sous le véhicule. Bah, on peut l'interpeller. Allez, avance, okay. Tatsuya. Allez, 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 on va vers le phare là. Allez. Allez, Jackie. Mais les. Quand je le vois pas, hein. Il est où? Moi non plus, je le vois pas, mais rapproche-toi. Ok. D'accord, Oscar. Transmettez. Le véhicule, vous avez une position, on l'a perdu dessus. Il était sur la route entre gauche, le phare et le gauche, gauche. Ok, gauche. Gauche, oui, vu. C'est bon. Ok, visuel, on l'interprète. Mais pas les sirènes, hein, parce que sinon il va nous tracer, donc attends qu'on se rapproche. Mais c'est sur l'écoute qu'elle a une tour de votre appel. Il y a eu lieu au tout utilitaire. Au vendeur d'utilitaire, sur quelle ville, monsieur? Alors, le... Let's go, là, deux tons. Les véhicules sont en feu. Hein. Très bien, vous êtes sur quelle ville, monsieur? Juste à côté, là. Bonjour, monsieur, vous sortez de votre véhicule, s'il vous plaît? Bonjour, c'est la police, je vous demanderai de mettre les mains sur le capot, s'il vous plaît, monsieur. À mon avis, je crois qu'il y a eu deux véhicules. Mettez Shift B, monsieur. Quel type de véhicule? Je sais pas, je suis pas. Pensez à Shift B. Allô, les pompiers? Très bien, merci, je vous me note, monsieur. Transmettez. Allô, les pompiers interpellés, on est en train de prendre le contrôle. Ouais, on voit ça, on voit ça. Donc, monsieur, pour vous informer du motif du contrôle, d'accord, vous avez été signalé par la patrouille BAC en provenance du champ de marijuana et vous avez été repéré
en train de ramasser, donc on va faire un contrôle sur votre véhicule. D'accord? Ouais. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Vous avez bien de la drogue dans le véhicule? Ah non, j'avais rien du tout, j'ai été voir parce que je connais pas du tout, donc du coup, vous n'avez rien du tout? La première fois. D'accord, très bien. Ok, est-ce que vous pouvez donner... Batskin, vous êtes où? Tu peux donner, adjoint. Oui, je vous laisse voir avec le monsieur, s'il vous plaît. Affirmatif, c'est reçu. Du coup, donnez les clés de votre véhicule, s'il vous plaît, à l'adjoint Batskin. Vous avez quelque chose de dangereux à déclarer? Ok, c'est reçu. Monsieur? Oui. Vous avez quelque chose de dangereux à déclarer sur vous? Non. Parfait, bah, j'attends mon effectif et je refais une prise de service, Oscar, dès qu'on est complet. C'est bon pour toi? Ok, affirmatif. Ok, parfait. On va donner les clés. Vous avez les clés, adjoint? Oui, affirmatif. Très bien, ouvrez juste le coffre du véhicule, s'il vous plaît. Ne saisissez rien. Ok. Ok, je vois effectivement qu'il y a de la drogue à l'intérieur. Ah, voilà, il y a de la drogue. Donc, monsieur, je vois pas pourquoi vous ne reconnaissez pas les faits, là. Vous êtes vraiment en flagrant délit. Hein. Donc, vous pouvez faire un contrôle total. Donc, bon, hein, sur la c'est un peu bête de votre part, quoi, de nous faire perdre du temps. Okay, on allait vérifier le véhicule, de toute façon. Donc, autant le dire dès le début que vous avez de la drogue. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les dépanneurs, s'il vous plaît, adjoint Duval. Parfait. Pour votre véhicule, il va être transféré au commissariat de... tout simplement, juste à côté, au commissariat central. D'accord. Nous, on va vous embarquer dans le véhicule et on va effectuer un contrôle total. D'accord. Donc, ce sera une fouille de votre véhicule ainsi que de vos effectifs personnels. Okay. Ça marche? Oui. En route. Donc monsieur, à partir de cet instant là, il est 1h59, vous êtes actuellement en garde à vue, prié de garder le silence, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous. Ça marche. Peut-être. Si vous avez besoin d'une assistance médicale, c'est possible. Bon. Ah, parfait. Ok. Dans l'orque? Oui. Je vais prendre mon service en centrale parce que là, il y a beaucoup de patrouilles. Yeah. Vous voulez que je descende un ADS en alpha vu que la subredit qui est seule, ou vous voulez que je la monte en Oscar? Ouais, non, mettez-moi l'adjoint Batskin s'il vous plaît avec lui. C'est celui qui a des lunettes, ouais, voilà. Je repère comme ça. Non, mais je me souviendrai. Parfait. Il y a des coups de feu ou c'est moi? Ok. Bon. Non, très bien. Je suis prêt, j'ai piqué de HK. Vous êtes actuellement seul en alpha? Affirmatif, le brigadier Bévan est parti en raid. Donc monsieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bientôt partir, ok? Je vais vous descendre à la DS parce qu'il est avec vous, donc je vous laisse vous communiquer sur la radio après. C'est reçu. C'est suivi aussi pour le desbattre. Faut que tu dispatches du monde, s'il te plaît, la A-State, c'est qui a la A-State? Ça doit être Corrington, sur braquage à Rudy. Bravo de Oscar. Transmettez. J'aimerais que vous vous rendez au niveau de braquage à Rudy. À Rudy, c'est ça. C'est bien reçu, on y est d'ici une minute. Ouais, voilà, c'était bien eux. Ah, ça vient de fermer l'alerte. Du coup, je te laisse, je te ramène au commissariat. Ok. Batskin, vous savez où il est, le sous-brigadier Ibiki? Attendez, je vais juste la... J'ai envoyé les avions de sécu sur le braquage. C'est la 80 points. Non, ça sert à rien, ça sert à rien, ça a été annulé. Vous demandez? Bah, ok. Transmettez. Dites-leur d'annuler. Hein. Alpha, c'est 81.2. 81.2, oui. Transmettez. Pour information, la madame, elle dit que les divisés sont au courant, donc peut-être juste faire gaffe quand vous avez sur les lieux. Hop, bon, allez. Les dépanneurs, du coup, c'est ok? Donc, on vient de poser un interceptor en excès de vitesse, on va le contrôler, mais RAS, c'est le seul véhicule dans la ville. Hop, alors. Quand j'ai reçu. Un cône avec drapeau, où est-ce qu'ils sont mes petits drapeaux? On ira en racheter, je pense. Ouais, on ira acheter des cônes avec drapeau. Vous en avez un? Parfait. Du coup, c'est parti. Monsieur, on attend les dépanneurs pour votre véhicule et on va y aller, d'accord? Ok, ça marche. Donc on fera le contrôle au commissariat comme je vous ai dit. À savoir que votre utilitaire, est-ce qu'il est rempli de drogue? Non, je crois pas.
Je crois pas, monsieur. Écoutez, s'il est rempli de drogue, dites-le maintenant. On a essayé de perdre du temps comme ça. Hein. Après, je c'est l'ai du dit, temps. Je viens d'essayer, je viens de voir ce que c'était. Vous avez essayé? Non, je viens de voir ce que c'était, je viens de découvrir le truc. Donc vous voyez de la drogue et vous la ramassez? Bah, il faut bien essayer pour savoir ce que c'est, non? Vous saviez pas que c'était de la drogue? Ah non, pas du tout, je viens de découvrir ça aujourd'hui. Ok. Bah monsieur, quand on sait pas ce que c'est, on prend pas quoi. Je sais pas, quand vous voyez un truc, vous savez pas, vous essayez, non? Bah personnellement, non. Bah, dis donc, vous découvrez pas grand-chose alors. Alors. Tung tung tung. Du coup, vous avez juste essayé. Bon, on verra bien si vous avez juste essayé. Adjoint Batskin, vous pouvez me donner Présent. les clés du véhicule, s'il vous plaît? Attendez, hop, je suis en train de voir, voilà. Alors. Ibiki, il arrive? Alors, on se retrouve au commissariat central parce que j'ai déposé le véhicule de son ancien coéquipier. Ok, reçu. Vous pouvez voir avec les dépanneurs du bal pour un temps d'arrivée? Ah, ils étaient sur la Trinité quand je vous ai appelé, pas de soucis. Dépanneur de police? Ok, donc. Je confirme, monsieur, donc le véhicule n'est pas plein. D'accord. Donc du coup, pour vous, monsieur, ce sera tout simplement une détention. D'accord. De drogue, puisque votre véhicule n'est pas plein. C'est reçu? Cependant, il y aura quand même une peine de 5 ans de prison. D'accord. Ok. Ok. Poum poum poum. Alors du coup, détention de drogue, c'est 200 000 euros. Saisie de marchandises, saisie du véhicule. Et donc ces sacs et ou voiture permis B remplie. Tac tac tac. Et tout confié. Ouais, ok. Ouais, donc c'est ça. Quand c'est pas plein, c'est détention. Transmettez. Donc pour information, contrôle du tester effectué, on lui a mis un simple avertissement et un rappel à la loi, donc on repart en patrouille. D'accord, c'est Vous avez reçu. pu voir pour les dépanneurs? Ils répondent plus, mais ils devraient pas tarder, hein, vu Ok. qu'ils sont partis de la Trinité, pardon, tout à l'heure. Donc, dans 2 minutes, il y a personne, je rappelle, et puis. Ok. Bon, on va mettre le véhicule en position. Je vous ferme la porte, monsieur. En tout cas, il est magnifique ce Master 2, mesdames et messieurs. Ça, c'est un bon gros véhicule d'Oscar. Comme j'aime beaucoup sur Metropolis prendre le Galaxy en véhicule d'Oscar, bah là, pareil. Hein. Il est juste magnifique ce Master 2. En plus, ce qui est excellent, Oscar pour Red 1. et pour un véhicule de sécurité publique, c'est qu'on a un PMV. Pour vous informer de notre Voilà. prise de service, deux On a un effectifs, petit on est panneau dispo où on peut dans 2 mettre minutes si besoin les pour flèches et ça. D'accord, j'ai réussi Ça, pour c'est juste Oscar. magique. Mais genre vraiment magique. On a une mission prédéfinie dans Oui? 2 minutes ou pour le moment c'est calme? Si je Pour le veux moment, il y a contacter beaucoup d'alarmes une patrouille, de magasins mais qui sonnent, mais pour pour juste l'instant, leur de les dire un personnes petit qui truc, je peux les braquent, contacter sur j'en leur fais une fréquence privée troupe. directement. Si vous voulez contacter une patrouille, pourquoi? C'est les dépanneurs qui m'ont demandé de transmettre au lieutenant Viper que le transport du Volkswagen T5 orange Oui. c'était mal fini et était fini en explosion. Vous lui envoyez un SMS directement, la fréquence Ouais. privée, on n'y est pas. Enfin, en tout cas, on est dessus, mais si vous voulez, on n'y est pas par défaut. On est tout le temps sur la 80. Et après, la fréquence privée est utilisée surtout uniquement lors, tout simplement, de prise de service d'un effectif ou encore de situations tendues, notamment dans des braquages, etc. Donc là, à mon avis, ils n'y seront pas, donc envoyez-lui un SMS. Je vais monter la voiture du monsieur. Soif, pas faim, monsieur. Je commence à avoir faim et soif. Vous commencez seulement? Ou Ouais, ça c'est. vient de bah, vous nous Ah bah voilà. au commissariat, vous montrez Ouais, ça marche. qu'on est à côté, ça devrait pas être loin. Merci. Vous avez une tenue, monsieur, ou pas? Vous Oui. êtes nu. Moi j'ai une tenue, j'ai un pantalon bleu. D'accord. Vous avez un sac à dos? Bonsoir. Bonjour.
Je vais vous donner les clés, s'il vous plaît, du T5 à transporter au commissariat, donc juste derrière. D'accord, oui, pas de soucis, je vous le transporte de suite. Hein. Je pourrais avoir juste votre identité? Je vous donne ça de suite, pardon. Merci. Voici. Merci. Derrière le... Ouais, c'est derrière, je vais vous enlever mon cône. D'accord, pas de soucis. De la Back de Oscar. Transmuté. Vous êtes toujours sur le point. Yep. On va y aller du coup. On est parti, vous êtes. D'accord, c'est reçu parce qu'à l'instant nous avons deux véhicules qui se rendent sur Los Polos. Ouais, c'est bien reçu, on verra un peu plus tard, on va sur un autre point pour l'instant. Pour éviter de cramer notre couverture. D'accord, c'est reçu. Hop, c'est parti, on va replier le bazar. Dans l'ordre ? Oui. Ah non, non, non. On se rejoint au commissariat ? Oui, j'arrive de suite. Hein. Parfait, merci. Ouais. Hop. Du coup, vous allez prendre centrale, Tatsuya ? Ouais, mais je pense que je vais faire descendre raid sur le Splosh Nord vu qu'il y a deux véhicules. Vous voulez faire quoi ? Faire une descente raid. À la Splosh, vu qu'il y a deux véhicules. Non. Bah ok, on l'a là. En train de... Ouais. On est en train de ramasser apparemment. Avec Red ? Ouais. Y a eu un braquage tout à l'heure. Je pense que Red, ils vont être sollicités autrement là pour le coup. Enfin en tout cas... Il y a des camionnettes là-bas, vous leur dites rien. Le truc... Bah si monsieur, mais on peut pas faire tout. Vous voyez ? Bah ouais, ils vont s'en sortir et pas moi. Bah ça m'étonnerait qu'ils vont s'en sortir monsieur. Vous inquiétez pas. Allez, c'est ça, ce qu'on verra. En attendant, je vous signale aussi que vous serez verbalisé pour votre conduite en dehors des routes, d'accord ? Ouais, bah allez-y. Je m'occupe de la dépanneuse. Ouais, pas de soucis. Au pire, je vais le faire vu que je suis en train de. Oscar, le bac. Vas-y, monsieur, on sort du véhicule. Parfait. On va trouver sur direct à Cuvéry. Cuvéry, le bac. Transmettez, bac. Monsieur, vous essayez de marcher. Pour information d'inflation, monsieur, 189 au lieu de 130. Le monsieur, j'ai un interpellé là. Affirmatif, on doit sur le store. Ok, ça aussi, bah bon, pour information, j'avais flashé à 190. Hein, donc c'est ok. Je remercie, bac. Communication terminée. Parfait. Fin de service du sous-préfet Tatsuya en tant que sécurité publique et c'est une mise en service de la patte de la station centrale. On va laisser la centrale contre les unités pour information du appel. Donc là, Tatsuya prend la centrale, ça veut dire que Oscar passe directement en patrouille standard. Vous m'entendez ou pas? Oscar. Bon, alors je vous demandais de me représenter. Donc on est tout simplement une patrouille standard et. Transmettez. Il faudra voir avec ta suite. Au niveau de l'acheteur de pétrole, j'ai un flash à un individu à 190. Je vous avance de quelques pas et de l'acheteur de sol, s'il vous plaît. Merci à vous. Passons du chapeau, de votre chapeau jusqu'au bout de vos orteils. Pas de chapeau. J'espère de prendre arrière, parfait. Bravo de centrale. Transmettez. Vous pouvez vous rendre sur les lieux de RI au niveau de l'acheteur de pétrole. Merci. Donc là, je vérifie un peu qu'il fait tout, donc bien, les affaires sont au sol, il a regardé. Là, il lui fait une. Parce que je fouille au corps, bon, palpation de sécurité, c'est tout simplement Windows fouillé joueur. Vous n'avez rien d'illégal, monsieur, je vous laisse récupérer vos effets personnels. Mon lieutenant, vous allez vérifier sur Interpol ou j'y vais ? Je vais y aller. Quelle est l'identité du monsieur ? Paul Berner. Paul Berner, il a bien son permis, etc. Affirmatif. Parfait. Monsieur, vous allez être verbalisé. Pas de soucis. Une conduite en dehors des routes, donc c'est 15 000 euros. Ainsi qu'une détention de drogue qui est de 200 000 euros. On va saisir la marchandise qu'il y a dans votre véhicule. Hein. Attendez, monsieur. Mon lieutenant oui. Non, son véhicule va être saisi lors de la prochaine tempête, cependant il ne sera pas détruit. Oscar, pour Red,
écrit comme a dit mon lieutenant, vous l'avez entendu quoi. Ouais, formation Red 1, je mets dans la centrale qui gère les communications directes, donc transmettez. Attendez, c'est information sur Interpol, et après on va pouvoir verbaliser. Pour information, c'est la centrale maintenant, donc transmettez votre message. Wesh, centrale, c'était pour te demander David, il a galéré à comprendre. Il y a quelques minutes, histoire de savoir où on pourrait aller se positionner afin de préparer un futur braquage. Bonjour, repos. Ça va, très bien. Tu fermais là? Non, parce que je me baladais avec mon taser, parce que j'étais sorti. J'étais sorti de la cage. Si le monsieur avait quelque chose de dangereux sur lui. Merci, centrale. Du coup, là, ouais, c'est 200 000 pour la destruction de droits, il n'y a pas de surplus. Non. Donc, prise de service du brigadier tardieux en attendant de dispatch par la centrale. Donc, monsieur. Bonjour, brigadier tardieux, vous allez monter en Oscar. Pour l'instant, vous êtes arrêté, donc c'est bien pris. Vous comptez en pas. Donc, monsieur, je vous présentais une amende de 215 000 euros. Oui. Je vous ai résumé les faits de tout à l'heure. Donc, je vous la présentais trois fois. Si au bout de ces trois fois vous refusez de la payer, vous serez envoyé en prison, à savoir que vous allez déjà partir en prison, voilà. Et puis si en prison il s'avère que vous aviez les fonds nécessaires pour la payer mais que vous ne l'avez pas payé, vous serez exilé de l'île, c'est bien compris? De toute façon j'ai vérifié sur le fichier, le monsieur a les moyens de payer l'amende. Ouais. Voilà, je vous laisse. Pour le véhicule, c'est tout bon? Bah alors, il était fou, il y a 95 000 euros de... Ok, il n'y avait pas d'armes ou autre? Pas d'armes. Ok, parfait. On va pouvoir vous accompagner jusqu'à la sortie du commissariat. Bravo de centrale. Que le véhicule ouais, transmettez. Je vais pas en prison. Je vous demanderai de vous rendre à Concorde 3, je vais... On le transporte là-bas avec le véhicule. Sur son point pour emmener le monsieur. Non, on va l'envoyer directement d'ici. D'accord. Je vais appeler les agents. Oui, vous pouvez appeler. Vous l'avez verbalisé, le monsieur? Sur Mathieu. Donc très bien, donc oui pour le monsieur c'est bon, vous pouvez directement appeler l'agent pénitentiaire depuis de la cellule. D'accord, très bien. Écoutez, les agents pénitentiaires sont disponibles à la porte du commissariat. Sur la besogne, vous êtes nous, monsieur, vous avez 5 ans pour réfléchir à vos actes. D'accord, c'est reçu. Pour maîtriser votre curiosité pour la prochaine fois. D'accord, oui. Allez, bon séjour. Donne. Disparition. Nickel. Bon, du coup, Batskin, il arrive, Ibiki de je crois bien. Je crois qu'il y a votre collègue qui arrive. Ouais, parce qu'il a dû il a arrêté un véhicule qui était en transport. Ok, ouais, je non. Je demanderais de repartir vers... C'est bon. Véhicule a... Parfait. Donc, adjoint Duval, voici le brigadier tardieux avec qui on va patrouiller. Bonjour. Alors, faut juste qu'on reprenne les infos auprès de Tatsuya pour le refus d'obtempérer qu'on a entendu entre temps. Ouais, mais il y a déjà raid sur place, back sur place. Mais c'est juste quoi comme véhicule qu'on sache si c'est un Dacia Duster. Rouge, non? Je sais pas, j'ai pas, il m'a pas précisé la couleur. Pour information, le véhicule c'est bien un Dacia Duster, mais de quelle couleur s'il vous plaît? Voilà. De couleur rouge. Voilà, ah, rouge. Voilà. Ouais, c'est celui qu'on a croisé. Nickel. Du coup, j'ai sorti le petit master balisage. parce que c'est joli. Oui. Et m'a menacé. Ah, il y a des menaces du type. Dacia Duster qu'on poursuit? Affirmatif. Hop, menace. C'est reçu, mais pour information, c'est un Dacia Duster noir. Hein. Ça, il est pas rouge. Noir, excusez-moi. Ah, il est noir. Oui, c'est pour ça que je te dis. Central est en PLS, je crois. Ouais, c'est ça. Je vous prie de vous rendre sur votre position. Nickel. Il y a eu des menaces de mort sur la 112. C'est parti. Il se trouve où rien actuellement. Information Red 1, je vous donne la commission directe avec Bravo ainsi que ERIC pour les deux patrouilles. Ils sont où les collègues là? À quel niveau? Ils sont sur la Pesagne d'après ce que j'ai compris. Ils sont sur la Pesagne, on peut limite se caler à Saint-Louis et mettre une R si jamais. Ouais, attends, je suis en train de regarder, je crois qu'ils ont des balises qui sont activées. Bon, pour un coup, là, je suis en plein milieu de la Pampa là, on est entre Chapois et la Pesagne, j'active ma balise. Ah ouais, ils sont de l'autre côté. Voilà, c'est Chapois et la Pesagne, donc autant de se rendre sur place. C'est nouveau, là, vous avez besoin de nous. Bah, surtout que là, le Master 2, voilà, ça va être plus soft quoi. Ouais, c'est clair. Okay, mais bon, je voilà. Ça y a un petit aspect CRS, tu vois. un petit aspect dire CRS qui est sympa. Ah non, le PMV en Oscar, je le trouve vachement stylé quoi. Bon, là, du coup, on est plus qu'une patrouille standard, mais. Voilà. PS un peu, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Hop, du coup, je vous laisse annoncer adjoint, vous reprenez la 80. Okay. Et puis, je vous laisse annoncer notre prise de service. Reprise de service de la patrouille Oscar, 3 effectifs, 1 véhicule, du Pitmaster Master 2. Central du HAM. Range pété. Négatif. Le Delta Duster se redirige vers le port. Hein. D'accord, je suis bravo. Du coup, ouais, non, on vient d'avoir un contrôle suite à une info de bac pour un monsieur. Donc là, c'était de la drogue dans son véhicule. En stup, ouais. Ouais, en stup. D'accord. Donc, bon. Et le pire, c'est que le type, on l'arrête, genre quoi, allez, 200 mètres à frais. Et puis je lui dis bien, vous avez été vu par une patrouille bac en train de ramasser, machin. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez de la drogue dans votre véhicule? Non. Non. Ah ouais, hein. Non. Bon bah. Après, je pourrais avoir les clés. Ah bah, il y a de la drogue. Ah oui, oui, bah oui. J'en ai sur moi aussi. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Bravo, DRI. YouTube, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On est maintenant avec le brigadier Tardieu et la déesse Duval en patrouille Oscar destitué de ses fonctions puisqu'il y a la centrale. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, voilà, on va faire une petite patrouille en Master 2. À toutes.